Nous sommes en direct à Notre-Dame du Congo, Bandekobalanzia Africa Co Télévision, Bisikani Nyango, Présidium, mais à la Mouka, organisé messe d'action de grâce pour la Bandekonabiso, il y a Est, pour la Kimia, et vous, mais la Libéla, pour la Est, République démocratique du Congo, Bandekobalanzia Africa Co Télévision. Dans ce cabinet, nous avons le Lengeni Nyango, Magnus et Rossalem, Mme Koula, les autres, la Nana Binelongo. Nous voulons les témoigner notre solidarité et notre amour, leur dire que nous ne les oublions pas. Et nous sommes un même peuple, nous appartenons à une même terre et nous voulons leur dire loin des yeux, près du cœur. Au sein de la Mouka, nous croyons à la force de la prière. Nous prions, nous sommes des croyants et nous voulons leur dire que les dieux de la terre de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, pour faire tout afin que la paix soit une réalité. Et nous disons une paix irréversible. Aujourd'hui, nous voyons que l'État n'est plus géré. M. Tshilombo ne sait pas où il va. Il va prendre l'armée ougandaise, il va prendre l'armée kenyane, il va solliciter l'armée de l'Angola. On ne sait plus où il va. Alors, nous pensons que seul le peuple doit se mobiliser pour que nous puissions dire non au génocide congolais et surtout exiger une véritable paix à l'est du pays. Que les savants éclairent les ignorants, la miséricorde. Missionnaire de la miséricorde signifie le pape nous a envoyés dans le monde. D'abord, pour nous, c'est une occasion de remercier les directeurs de la Mouka pour avoir organisé cette messe d'action de grâce. Ça a permis à ce que nous puissions penser à nos frères et sœurs de l'Est et quand nous disons Est, surtout Ituri, quand nous disons Est, Nord Kivu, quand nous disons Est, nous pensons aussi au Sud Kivu, Tanganyika et partout il y a des problèmes au niveau de l'Est. Alors, après ces remerciements, nous allons dire aujourd'hui ce qui nous a tiqué, c'est l'homélie de l'abbé Kiré. L'abbé Kiré, j'ai retenu trois éléments importants. Premier élément, l'abbé a parlé de l'amour. Il a parlé de l'amour. Le deuxième élément, il a parlé de la justice. Troisième élément, il a parlé de l'engagement. C'est-à-dire quoi? Quand nous parlons d'abord du premier élément, l'amour. S'il y a l'amour entre nous, ce qui arrive à l'Est, ça ne peut pas arriver. S'il y a l'amour entre nous, les leaders politiques, ce qui arrive même entre nous, on voit des règlements de comptes, la jalousie, ça ne peut pas arriver entre même nous, les leaders politiques. S'il y a la justice dans notre pays, et nous voulons avoir la vraie justice entre nous les hommes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la justice de Dieu qui va arriver un jour. Et pour qu'il n'y arrive pas, il faut éviter les injustices. Comme ce que nous vivons maintenant avec le pouvoir en place. On sent les injustices. On sent les règlements des comptes. Ça, ce n'est pas bon. Parce que même nous-mêmes, il vous souviendra vous-même partiellement. Vous connaissez ce qui s'est passé. Les jours où même le président Tshisekedi revenait, nous nous sommes retrouvés ici, au stade des martyrs. Il a dit, je vais prêcher l'amour entre vous qu'il y ait l'amour. Mais nous constatons que même entre nous, il y a des injustices, il y a des règlements de comptes. Je peux prendre deux, trois exemples à la volée concernant même les injustices. On voit aujourd'hui, non, tel il faut l'invalider, tel il faut faire ceci. On voit même au niveau de la situation de l'enseignement. Parce que ça, c'est l'élément vital. On ne peut pas comprendre au niveau de l'enseignement. Il y a d'abord le ministère de l'enseignement. On prend quelqu'un, celui qui était ministre, on l'arrête. Son vice-ministre, il devient ministre. C'est-à-dire qu'ils ont bien travaillé. Et ça nous tique. On prend d'abord celui qui l'attaquait à tout moment. Celui qui attaquait Bakonga à tout moment. Il est devenu ministre à sa place. Non. Il y a des choses quand vous voyez, vous dites, mais entre nous politiciens, qu'il y ait de l'amour. On nous a dit ici, Bakonga a pris 2 millions de dollars. Après, on dit non, ce n'était pas 2 millions.
On l'a arrêté comme ça. Laissons ça. Faisons la vraie politique. Nous demandons à nos frères qui sont maintenant au pouvoir de travailler. Parce que nous, au niveau de la DISOC, nous continuons à compter les jours. Il reste aujourd'hui 872 jours. Nous, on compte les jours pour eux. Et même aujourd'hui, concernant l'état de siège, c'est 30 jours, mais nous comptons. Comment on peut faire l'état de siège, même quand il y a la déclaration du président de la République, la deuxième étape, les députés et les sénateurs doivent se réunir de droit. Ils ne se sont même pas réunis. Pour faire quoi? Pour fixer les modalités de cet état de siège. Alors maintenant qu'il n'y a pas ces modalités d'état de siège, ça va se passer comment? Les jours courent et ils vont fonctionner là-bas comment? Parce que le Parlement n'a pas encore donné les modalités d'état de siège. Ils seront bloqués, on va revenir, 30 jours, ça va se terminer comme ça. Ça va arriver comme maintenant avec ceux que nous venons avec le couvre-feu, ça sera la même chose, couvre-feu. Et hier, on apprend, le président dit, parce que moi-même je suis là, aujourd'hui il n'y a pas couvre-feu là où moi je suis. Ça se passe comment? Et voilà, nous sommes des disciples, tu es notre maître,
Nous sommes là pour que toi-même tu nous inspires, pour que toi-même tu puisses nous remplir de ton esprit, l'esprit d'amour. L'esprit d'amour. De notre amour, de notre solidarité et surtout, cette Eucharistie montre que nous aussi, nous souffrons avec nos frères et sœurs qui souffrent. Cette Eucharistie nous invite à nous engager, à être des hommes et des femmes de prière. Mais le Christ n'a-t-il pas dit, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis là. Si deux ou trois personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon Père, à mon nom, ils vont l'obtenir. Ces personnes qui prient vont l'obtenir. Est-ce que nous nous retrouvons pour prier pour la paix? Est-ce que nous faisons des sacrifices? Est-ce que nous nous privons de certaines choses pour montrer que nous sommes solidaires avec nos frères et sœurs? Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous voulons demander au Christ notre Seigneur de réveiller en nous le sens des responsabilités. Nous sommes responsables les uns des autres. Et un jour, le Seigneur demandera à chacun de nous, où est ton frère, où est ta sœur? Et nous savons comment Caïn avait répondu, je ne sais pas. Suis-je le... La véritable justice, le Christ nous l'a manifestée totalement. Être juste, c'est vouloir que l'autre...
vous parce que vous avez connecté, branché la chaîne Nabiso Bandok Malandia Africa Co Télévision. Wana bo uti kola na lolenge nini yango mes action de grâce aux alaki organisé na président ya Lamuka abisika nini yango ba sengi penta kimia e wumela na Est ya République démocratique du Congo bolani lolenge nini yango sango mokonzi oyo atiaki na mukolo lelo lenge nini yango pesi message naye à travers ya matin naye wana lolenge nini yango ba réaction ya ba oyo ba qui présente la messe à Mokolo à l'élo, vous avez connecté, branché, merci. N'a pas passé ma bande dans la caméra, merci. N'a pas Thérèse, Papa Olivier et Gianni Minga. Et puis, nous sommes au bout de la Nakabiso, Nanzela, il y a télévision, Nabino, Afrika Co télévision, n'a pas si beauté, n'a pas à Londres, Nyon, Soubana, Suisse, Suède, Nyon, Soubana, Nabino, 18:30, Motenayo, depuis États-Unis, Motenayo, Penda, Ben Seda, Yabaseda, Motenayo, et tout côté de Nakolizo, Koya, bye bye. Afrika cool, et abena cool, Afrika cool, et abena cool, le quoi cool ma topi, ou cool. La chaîne Nabiso Afrika cool. En tout cas, esa chaîne y a bien, et puis vous êtes très rapide, esa très rapide, esa chaîne moko, bako sa abino confiance. En tout cas, nous avons 5 ans à nous faire souscrire. Donc, ils ont vraiment été au bas de la caca. Bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont été au bas de la caca. Nous avons fait un peu de temps souscrire. Et belé, beaucoup à la déçue. Afrika cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo de la caca. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Afrika cool. Équipe Mobimba et Afrika cool, félicitations. Et au moins, ma chaîne est impartiale. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Afrika cool télévision, télévision, c'est l'anama. Kole kabani ngu nungwa batuna katamboga kuna.